Oui, la station avec le Roger Bip, les bus 1351. Ah d'accord, c'est un concerto de Roger Bip ce matin. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, même s'il y a du monde, c'est tout cuirot quand même. Bonne journée à tous, et pour les Roger Bip, ça fonctionne aussi. Putain oui, puis ça monte haut au niveau signal. Et la radio par contre elle est de zéro. Et oui, un très bon signal, mais radio zéro. Attention, Daniel Senteur pour Dandy 33 qui t'appelle. Je t'ai entendu ce matin entre les Bigarou et... Non, j'étais entre les Bigarou et Libourne. Tu passais jusqu'à là-bas. Station. Et 73 de Dindy 33 là, c'est la route 4 de Bordeaux. Un peu dans les bouchons, mais ça roule quand même. Voilà, à la hauteur de la sortie S, une sortie 7. Putain, par contre, il y a de ces passages de QRM là ici, la vache. Ah oui, Gilles, si, je t'ai reconnu, il est 73 à toi. Je suis à la hauteur de la sortie. Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus, sur la rocade de Bordeaux. T'as la vache, c'est très très QRP de mon côté. Hein, puis bon, vu que je suis en train de rouler, j'ai en même temps des passages de QRM, j'ai des bouchons, j'ai tout. Et bah, j'ai du mal à te sortir. Je débauche à 17h. Voilà, là j'embauche à 8h. J'espère être à l'heure parce que bon, il est déjà à 7h15, 7h20 et c'est pas gagné, quoique. Et je débauche à 17h. Ok, c'est bon de savoir, si ça fait un heure, il avait pas marche parce que vu le poste. Là ça marche, là ça passe, c'est une bonne radio 5 là ce coup-ci. Là. Ça dépend des zones où je passe aussi. Hein. Ouais, mais en fait, le combinat, il va falloir tout enlever parce qu'il faut tout s'assurer pour qu'il s'allume, c'est pas normal. Hein. Ah, c'est bon ça! Là, j'ai travaillé en pied, ça fait pas. Ah, génial! Bon, j'en ai aussi 3009 au QIRA là, dans ma petite collection, quand même. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai remis en neuf, n'importe quoi, je l'ai remis en marche. Et j'ai bien senti qu'il y a des condos dedans qui ont dû partir en cacahuète. il était un peu bizarre. Ah, ça... Oui, et puis en plus, là, je suis qu'avec la puissance du poste, là, j'ai rien de plus. Hein. Là, le Faliba, il est au QRA, donc je peux pas te donner un petit coup de pouce pour mieux m'entendre. Oui, 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 comme la semaine dernière, là, pareil, dans le créneau horaire, 8h-17h. Demain, après-demain, je crois que c'est pareil, enfin, je regarde mon planning, mais ouais, il me semble que c'est la même chose. Jeudi, vendredi, par contre, je serai à côté de là où je vais, mais en 7h-17h. Ok, d'accord, écoute, c'est bon à savoir. Hein. Je crois que ça ira mieux.
Ah, chez trois coups. Donc, de toute façon, là, toute la semaine, là, pour le, sur le retour, ben, ça sera 17h, ça c'est sûr et certain. Quoique, là où je vais, des fois, il y a des surprises, j'arrive à déboucher avant. Bon, ça se joue pas à beaucoup, quoique. Le dernier coup, là, j'étais avec une YL. Oh putain! Au lieu de se dire j'ai fini mon boulot, je me casse, a trouvé le moyen d'appeler son chef pour lui demander ce qu'elle peut faire jusqu'à la débauche. Ah bah merde. Attends, j'ai une montée de QRM, là j'ai un passage de QRM à la con. Ah tiens, ça bouchonne droit devant. C'est dans les gabailles où je suis, moi je n'ai pas d'avoir des bouchons. Hein. Ah bah tu m'étonnes, t'es au QRA là, c'est ça? Non, je suis sur le bec d'Ampère. Ah ouais? Ah je te croyais au QRA. Eh ben, ah oui, à part que là-bas, tu risques pas d'avoir des bouchons, mais tu risques d'avoir des débordements de flotte par contre. Hein. Ça inonde de temps en temps par là-bas. Hein. Attends, je suis passé sous un pont là, ça n'a pas été top. Ok, allez, ça rebouchonne à nouveau. Eh bien, je crois que là, je suis parti du QRA à 6h30. Mais c'est déjà là, 1h30 avant d'embaucher, c'est assez limite. Hein. Ah, c'est pas bon, ça. Hein. Faut partir beaucoup plus tôt. Hein. Parce qu'après, la rocade, bon. Eh oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à l'YL, tout le monde rembauche aujourd'hui, donc ça risque d'être le caca. Elle me dit non. Oui, c'est ça, oui, tiens mon cul, oui. Bien sûr que c'est le caca un peu ce matin, quoi. Quoique, il y a toujours pire, hein, il suffit qu'il y ait un carton là, juste devant moi, et puis bon, ben la journée, je passerai là, en gros, à chier. Ok, salut 73, les amis de la route, 73, monsieur Dendy, monsieur Santor qui vous salue. Wouah, ça y est, monsieur Mad Max, là je déconne. Eh bien, j'arrive à la hauteur de la... Attends, si je passe les vitesses, j'entends le moteur ronfler, non mais n'importe quoi, moi j'étais en troisième. Troisième 70, ça ne le fait pas. Quoi. Voilà, j'arrive à la sortie noyant, sortie 9. Salut Daniel. Oui, 73. Attends, je vais monter la puissance, ça sera mieux pour les écoutes de tout le monde. Oui, ben, j'ai dit à Villeur qui arrive, j'ai dit, je vais me mettre au micro pour voir comme c'était calme là. J'ai dit, je vais voir s'il est derrière, s'il est pas loin. 73, je n'ai pas reconnu qui était derrière, Rémi là. Ah ah. Ouais, c'est Gilles. Ça restera secret. Ah, en plus, je l'ai dit au moment où tu as repris le micro, comme ça, voilà, c'est passé sans que tu l'entendes. Bon, là, ça se décante, c'est bon. J'ai passé les chantiers, et ben, du coup, je serai quand même en avance. Bon, je crois que je restais quand même sur 6h30. J'ai un petit coup de stress, là, à deux reprises, là, deux, trois reprises. Et puis, bon, ben, c'est bon. Le premier coup, ça commence à bouchonner, ben, c'est en arrivant sur la sortie 26. Là, dans la partie qui est limitée à 90, là, ça commence à être un petit peu raide de ce côté-là. Et puis bon, ben, c'est passé. Après, là, deux reprises là, sur la rocade, le pont s'est passé nickel. Et puis ce matin, ah oui, Daniel, le premier coup que je t'ai entendu appeler, j'étais entre les Bigarous et Libourne. Donc, tu passais jusqu'à là-bas. Hein. Ça c'est sûr. Et de mon côté, par là-bas, ce matin, c'était plutôt le concerto de Roger Beep. Et puis quand tu réponds, ben, eh ben, Roger Beep. Ok, Rémi. Ok, ben écoute, oui, j'ai lancé les petits appels là, ce matin, vu l'heure. J'ai dit, mais j'ai regardé le tableau, j'ai dit, ah, bon, il est là ce matin. J'ai pris le pocket hein, ce matin, je l'aurai demain aussi. Hein. Voilà, j'ai passé à le prendre ce matin. Ok, ben je l'ai là, il est sur le siège là à côté de moi. Hein. Et ben pour le choix du canal, on en parlera demi-voix. Oh, c'est Monsieur Kilomike 3310. Oh Monsieur Gilles, excuse-moi, je t'ai pas reconnu. Je vois poule. Ouais, tu vas travailler, fainéant, j'espère.
celui-là, c'est toujours les vacances. Bon, moi, ça sera dans 15 jours, là, les congés. Voilà. J'ai encore 15 jours à tenir. Ah, tu fais chier, toi. Ok, ça marche. Bisous sur le front, à plus tard. Bah oui, je... Oui, pareil, comme dit Rémi, bisous sur le front, oui, parce qu'en plus, ça fait dégueulasse. Ah ouais, c'est... j'ai préféré préciser parce que ça porte à confusion, après. Bah ok. Bon, ben alors, donc, tu m'as entendu, là, jusqu'au Bigarreau, là, tout à l'heure? Ah oui, 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 j'étais entre les Bigarreau et... Enfin, plus près des Bigarreau que Libourne. Et j'ai eu un passage où sans QRM, sans rien, et tu es passé là-bas. C'était tout petit, oui, mais tu es quand même passé là-bas. D'accord. Bon, ben là, de toute façon, là, j'ai tout coupé, puisque ça sert à rien, puisque tu te rapproches. Bah, tu m'étonnes. Surtout qu'attends, j'ai pas le temps de sauter sur le 8 mètres, mais je crois que je serais pas étonné que ce soit un bon neuf, hein. J'ai monté mon fil tout à l'heure. 8. Là, je viens de rebaisser. Là, je suis. J'ai le minimum, là, puissance. Oui, voilà, j'ai regardé, c'est du 8. Hein. Voilà, c'est. Ouais, ouais, non, mais là, on est quasiment. Il doit y avoir quoi? Peut-être 2 km, je pense. Oui, t'es à quelle sortie? La sortie 10 ou la sortie 11? Ah ben là, j'ai pris la sortie Martignas. Hein. Voilà, je viens de démarrer des feux, là. Je crois que c'est la 10. Hein. Oui, il me semble que c'est la 10. Les feux, oui, il me semble que c'est la 10, oui. Ouais, parce qu'après la 11, ça... je crois que c'est dans les hôtels les hôtels de l'aéroport et tout, là, qu'il y a dans... je crois que ça doit être ça, avec Buffalo Grill, si je me trompe pas. Oui, vaut mieux la 10, tout à fait, oui, parce que la 11, effectivement, c'est le bazar en passant par là-bas. Ouais, voilà, puis en plus, il y a les travaux et tout, là-bas et tout, et puis vu d'où j'arrive, moi, j'ai aucun intérêt à passer par là-bas. J'arrive du côté pour l'Aquitaine, donc la 10, pour moi, est plus près. Hein. Ah, ben, tout à fait, Rémi, il vaut mieux prendre toujours les sorties les plus courtes. C'est comme moi, quand je rentre de la Brède, c'est pareil, je prends la 11. Bah, tu m'étonnes. Voilà, je suis au truc de... alors, salle des bains, carrelage, pompe funèbre, oh, putain, non, que je me casse de là. Euromaster, voilà, je suis de ce côté-là. Sandwich, pâtisserie, tout ça, je suis là. Bon, ben, je verrai bien avec qui je suis aujourd'hui. Si je suis avec YRL, eh ben, j'aurais plus qu'à me dire dommage, je suis sûr de débaucher à 17h et pas avant l'heure. Si c'est avec quelqu'un d'autre, ce sera surprise, surprise. Ouais, mais pour l'instant, la petite, je ne l'ai pas vue arriver. Donc, je ne sais pas si elle est là. Non, je ne l'ai pas vue arriver encore, la jeune fille. Là. Donc, je ne sais pas si tu seras avec elle ou quoi, j'en sais rien. Voilà. Oh putain, le dernier coup, putain, j'ai rien dit, mais j'ai rongé mon frein. elle avait son téléphone qui décollait, ça, tout, donc une demi-heure avant de débaucher. Et plutôt que de se dire, bon ben ok, la suite on verra ça demain. Non, elle appelle son chef pour demander ce qu'elle fait maintenant. Ouais. Ah putain, de la baise. Tu me l'as dit tout à l'heure. Oh merde. Pas tout à l'heure, je l'avais vu, on se l'était dit, je sais plus quand on est où. Voilà, donc oui, je. Ah ben oui, ben c'est comme ça. Voilà, il fallait qu'elle rende son travail bien fini. Ah ben tu m'étonnes. Ben tout à l'heure, c'est Achille que j'ai dit ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, non, mais c'est souvent que j'ai remarqué ça. Quand tu vas être avec des OM, bon, ben ok, hein, c'est fini, basta. La suite peut être reportée au lendemain, c'est pas un problème. Quand t'es avec une nana, oh putain, va toujours chercher à faire plus. Quoi. C'est. Oh là là, attends, je suis en train de tourner au grand rond-point. Là. Je dis grand rond-point pour te dire exactement où je suis. Ok, attends, je t'abandonne à 30 secondes, là j'ai quelqu'un qui arrive.
Ça marche. Ok, t'as dû te rapprocher là. Ben, je suis dans, dans la ligne droite là, entre le bois et puis l'autre usine. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher à raconter comme connerie, ouais. Oh mais je sais plus moi. Je sais plus. Ouais, voilà, je suis entre les deux là. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, ce matin t'es en équipe avec. Enfin, il y a Mort et Baptiste. D'accord, ok. Pour l'instant, je les ai pas vus arriver là, donc je sais pas ce qu'ils font. Ouais, bon, bah, ça sera surprise, hein. Oh, ça a pointé là, ah oui, je vois le Duster. Je vois le Duster. Bon, allez, je t'attends à l'intérieur, puisqu'il y a du monde qui arrive. Ok, ça marche, de suite. Oh, c'est le bordel à Bordeaux! Il pleut, les escargots sont sortis! Attention Gilles pour DD33 qui t'appelle! En 13-51, station fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, il pleut, alors c'est le caca. Ouais, la voiture bip. Putain, ça fait chier ce radio. Depuis tout à l'heure, j'entends des voitures bip. Ah, chier, c'est excellent ça. Non, mais je vais changer de poste, ça me casse bien les couilles. Ah, s'il y en a qui s'ennuient, au moins toi t'as quelque chose pour t'occuper. Ah, il n'en voit que des bips. Remarque, il y en a d'autres, hein, ils n'en voient rien du tout. Putain. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est sûr que arrivé à un certain âge, enfin du moins s'ils n'ont pas fonctionné depuis trop longtemps, c'est un peu compliqué du côté des composants. Alors, bien souvent, bon, j'y connais rien en électronique, hein, mais bien souvent c'est les condensateurs qui font les cons, qui sèchent et qui partent en vrille, ou qui partent plus du tout même. Je vais changer de poste parce que là, c'est plus possible. Eh bien, t'es déjà au QRA ? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Eh bien, j'arrive à la sortie 1 pour attraper la rocade rive droite. Eh bien, du coup, toi, j'ai été lâché un peu plus tôt. Hein. Et on verra bien demain ce que ça donne. Hein. Mais je vais pas me plaindre. Hein. Je suis en plein dans le virage là, de la bretelle d'accès de la rocade rive droite, là j'arrive pas à te sortir là, de ce côté-ci. Là. Ouais, je t'ai entendu, mais c'est vraiment très très QRP. Hein. Marc, moi aussi là je suis en QRP, hein, puisque mon Alphalima il est branché au QRA. Donc là, j'ai rien de plus que le poste. Désolé, mais je t'entends parler, mais c'est tout. Hein. Et là, je vais arriver là aux deux stations totales qu'il y a là, sur la rocade rive droite. J'arrive pour me rapprocher.
Ouais, là je t'ai entendu, tu as réussi à l'avoir rapide, tu te rapproches, puis il va falloir que tu ouvres les ailes, parce qu'il y a quand même du monde. Hein. Et tout à l'heure, je me suis retrouvé complètement à l'arrêt, là, sur la rocade. J'ai dit, bon, ben, on va profiter du paysage. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Ouah, bah, c'est un paysage comme un autre. Putain, je suis en plein dans les QRM, là, ici, là. Aïe, aïe. C'est pas que le signal monte très haut, mais vu comment tu m'arrives, c'est suffisant pour te couvrir. Ah, je crois que toi aussi, t'es dans les QRM. Bon là, oui, je t'ai entendu râler, il n'y a pas de problème, c'est que ça marche. Bon, il doit y avoir senteur normalement qui est en train de débaucher là également. Là, je suis dans la bretelle d'accès là vers un petit peu là dans le bas de la montée là, de la sortie 26. Hein. Eh bien, le McKinley, tu ne l'as plus je sais plus, là, j'ai loupé un passage là, au niveau du McKinley. Si, je l'ai toujours, hein, je l'ai toujours. Et c'est le micro que j'aime pas. Ah, d'accord, ok, il fonctionne toujours, donc. D'accord. Je suis à mi-chemin dans la montée de la sortie 26. Là, j'ai à nouveau du QRM. Oh la vache. C'est. Je t'ai entendu parler, mais c'est tout. Il faut que je me dégage d'ici. Ouais. Attends, je crois que je vais tous les pousser là. Remarque, non, je pense pas que le Duster, ils soient très contents. Ça risquerait d'y faire des quelques rigueurs dessus si je me mettais à les pousser tous. Il y a toujours pire que soi, hein, sans déconner. Non, je me plains pas. Hein. J'ai des QRM là, pour l'instant, là où je suis. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Un peu plus loin, j'en aurais pu, et puis c'est tout. Hein. Bon alors, Daniel, senteur, est-ce que tu es en fréquence? Ah, je n'entends pas, j'entends toi, oui, mais lui, je n'entends pas. Normalement, là, il doit être en train de débaucher, là. Ouais, bah oui, qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin? 17h, oui, je crois que c'est ça. Hein. Je suis au niveau des feux, putain la vache. Les feux, ça devrait être interdit, putain, ça, c'est source de QRM, ça. Ah ouais, j'entends le Roger Bip, oui. Ah, ça y est, je suis en train de redémarrer. Ça va être tout bon. Ah ben non, c'est pas encore bon. Hein. Ah, voilà, je suis en train de passer par-dessus la rocade. Ah,
Ah, je suis au niveau des autres feux, là, direction la nationale 89. Putain, là aussi, là, tu vois, là, j'ai une petite montée de QRM. J'allais dire une petite montée de propag, moi, n'importe quoi. Là. Ah, ça y est, ça passe. Ouais, ben, t'as du mal, hein. Avec tous ces câbles électriques. Eh, hey, serre-toi-en comme antenne filaire. Tu allonges ton antenne. Tu fais en sorte que le bout de ton antenne que tu as sur la bouche vienne toucher l'autre. Et ça te fera une super antenne filaire. La plus grande antenne filaire au monde. Ah putain, ceux qui descendent là du côté d'Ibourne là, vers la sortie 26, bah, c'est un petit peu compliqué aussi de ce côté-là. Ouais, là, je suis en train d'apercevoir le panneau dans le rétro. Ils annoncent des bouchons, paraît-il. Tu te passes toujours aussi QRP. Ouais, c'est un attends, j'ai compris, ça va sans Paul. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi je suis lancé là sur la nationale 89. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Ah oui, parce que là je suis en train de faire une petite vidéo, là tu verras là, ça j'espère. Ah si, il faut que je prenne le temps de m'en occuper en arrivant. Comme ça, j'en sais plus rapidement débarrassé. Et bon, tu verras que ça passe quand même. Hein. Il y a pas de souci. Hein. Et bon, par endroit, ben voilà, on est tous les deux en train de rouler. Donc ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça m'interpelle. Ça. ça va, ça vient, ça te prend l'important. Oui, voilà, on s'est compris. Ouais. Ça ici, quand même, ça chez nous. Non, non. Ça, je réserve ça, mon irait. Et le dernier, on dirait qu'il va faire des heures plus, hein. Il va nous retirer le fin de la bouche, hein. Bah, putain, oui. Puis en plus, il s'est cogné quand même deux sites, là, aujourd'hui, hein. Putain, la vache. Ça va, je vous entendais, ça va. Ah ouais, mais il doit passer sur le bureau, lui, c'est pas possible. C'est il y a un bruit quelque part. C'est... Ah putain, j'ai un truc là. C'est un fou, lui, il veut réussir. Ouais, il veut assurer son avenir, là. Hein. Ah ouais, ah oui, je me sens bien, ouais. Tu vois, un jour ou l'autre, il va finir patron, ouais. Bah, mais là, pour profiter pour passer l'enquête de l'eau, ça fait toujours la main de l'eau, moi. Mais moi, je suis devenu un petit fonctionnaire, tu veux dire. Eh, déjà, fonctionnaire, c'est déjà pas mal. T'as un salaire qui est assuré au moins. Même si tu fous rien, t'as quand même le salaire d'assuré. Ah oui, ça, c'est vrai. Pour t'expliquer, le 3009 acheté que j'ai dans la voiture, que c'est un vieux pote, et il faut dans un petit shop, et sinon il est passé sur le shop. Ah putain, tu m'expliques là de je sais pas quoi au niveau de ce poste, en plein moment où je suis en train de passer dans le trou de la poste. Et puis là, pour être le trou, c'est le trou. Hein.
Attends, voilà, il faut que je me redécache de là. Attends, je suis en train de remonter tout doucement à la surface. Ah, puis ça freine devant, mais quelle idée, c'est ça, ça sert à rien des freins. Ça, on trop des freins sur un véhicule. Ça monte le véhicule, les freins. Allez, voilà, je remonte tout doucement. Là, je plafonne à 90, hein, au lieu de 110. Allez, allez, voilà, j'arrive à nouveau, je suis à nouveau en haut. Bravo, je te perds, je te dis un bon tour, parce que là, je vais rentrer dans ta nouvelle, mais je dirais que je suis chauffé demain matin. Ok, ça marche, même punition pour moi demain. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est vendredi que je reprends également à 8h. Voilà, mercredi, jeudi, je prends à 7h, donc là, ça sera mort. Ok, les 73-51 à toi, merci pour ces petits contacts là sur le retour, et à demain matin. Ok, allez, bonne soirée, à demain. Merci, bonne soirée. Oui, bon, c'est toujours comme ça, quasiment. C'est un peu le bordel ici. Je trouve qu'on s'en est bien sorti, moi. On a encore 4 sillons, mais quand on a 4 sillons, ça va après. Je voulais remettre un peu le pied dedans, parce que je crois qu'il nous reste encore une quarantaine de kilomètres à faire, là. J'ai 3h15. Ouais, ça doit le faire. Ouais, maintenant, on n'a plus grand-chose hein, sur la route. Une quarantaine de bornes. Je veux dire, on n'a plus de passages difficiles, quoi, qui vont nous faire perdre du temps. Il en reste encore question. Oh, ça sent le coin exceptionnel. Une dizaine de kilomètres, t'as un bled aussi qu'un peu casse-couille, parce que t'as les feux, machin, bidule. Il y a une route qui est pas trop large, mais après, ça roule. J'espère juste que les motards n'ont pas fait demi-tour. Oh, je crois pas, mais bon. Je te vraiment, ils doivent s'en foutre de nous. Il y a du boulot ailleurs. Ah, ça, des fois, ça dépend comment ça leur prend. Oui, je sais bien, okay. Quand je vois tous ces magasins, il y en a plein là, bah ça y est, ils sont fermés pour de bon. Hein. Quand tu vois les rideaux, à mon avis, c'est pas pour de rouvrir. C'est pas au bout de nos surprises. Je suis à voir quand ils vont donner le top départ, que tout soit ouvert, et ben, c'est là qu'on va faire les comptes. Ah ça. Beaucoup qui vont rester avec les rideaux fermés. Hein. Bon, bah, c'est même sûr. Parce qu'il y a un radar ici là, dans le coin d'une baraque à droite. Oui, je vois où c'est, oui, oui. Les Picabous. Ah, ils sont assez loin, ça passe bien quand même. Enfin, vu qu'ils sont en mille pattes, en convoi exceptionnel. Mais souvent, leur équipement, c'est pour... des contacts de proximité, quoi. Donc la portée, ils s'en fichent. Là, par contre, c'est pas le cas. Oh, il y a de la propague. On va monter à l'étage. Allez, la QSO. Et un kilomètre. Oh, il a lancé.
Et on s'appelle en anglais, pas le déranger.